Et salut les amis, c'est Flamme et bienvenue sur la chaîne Lipty Phoenix. On se retrouve sur Final Fantasy VII Rebirth pour l'épisode 82. Et comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, j'ai Rude et Elena qui ont fait leur entrée juste avant la fin de l'épisode 81. Donc on va avoir droit à un petit affrontement. Alors le souci c'est que on a eu des petits rebondissements vers la fin. On a réussi à faire la grande bataille contre l'équipe de Corneo. On a été les vainqueurs, ce qui est super. Mais on a eu une petite apparition des Turks hein, qui ont pointé leur boule de leur nez et qui ont emparé la pierre clé hein, pour accéder au temple des Cetra. Et apparemment Kaycite serait complice avec eux. C'est lui qui lance sa possession. Donc, je sais pas comment tout ça va se prononcer pour ce FF7 Rebirth. On va le savoir dans un instant. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme pour me suivre tout au long de ce let's play. Moi, toujours au taquet, toujours avec autant de plaisir. Et pour m'encourager, bah, les petits j'aime, les commentaires, ça soutient énormément la chaîne. Je compte sur vous. On s'installe confortablement et on y va. On va essayer de dégommer le petit Rude, la petite Elena, qui sont, à mon avis, très très forts. Donc, on est pareil, hein, parce que je m'étais soigné et tout. On part avec la même équipe. Et ben c'est parti pour le combat. Let's go. Vous préparez? Ouais. À mon avis, ça va être un combat qui va être chaud. Affronter les Turks. Parfait. Let's go. Nous allons pouvoir commencer. Let's go. On va peut-être se concentrer sur Elena, qui pour moi est la plus faible, même si je vois que sa barre ne descend pas. Ah là, tu sens qu'ils sont costauds, que c'est un level au-dessus. Hein. Alors, on va lancer une petite analyse sur Elena pour voir... comment on peut la vaincre? Elle n'aime pas la foudre, ok. Alors, lui infliger une puissante compétence offensive la fragilisera, mais il faudra le faire deux fois lors de la posture d'assaut. L'interrompre pendant qu'elle prépare une attaque synchronisée des Turks lui fera également subir l'état de fragilité. Donc, dès qu'il prépare une synchronisation, il faut essayer de lancer, sur une compétence, quelque chose qui peut interrompre. Hein. Des bons dégâts à mon avis. Et on va privilégier la foudre avec des sorts de foudre. On va essayer ça. C'est parti. Allons-y. Oh là là. Appui de grenade, là ça aurait été cool de lancer une compétence de foudre que je ne vais pas avoir à mon avis. On va essayer avec onde fulgurante. Hein. Même si j'ai pas que ce soit trop tard. Allez, sera full sur Elena, allons-y. Allez, je vais lancer un petit extra soin sur notre ami. Cloyd. Allez, c'est parti, tac choc, on envoie le pâté. Alors, compétence synchronisée avec Duo Dévastateur, ça peut être pas mal. Allons-y. Tu
attention à ça. J'ai l'impression qu'ils sont en synchro les deux là. Ah, Néo Bahamut, on la bug. Ouais, obligé. Obligé. On est bien au niveau des HP. Ouais, j'avais l'occasion de l'invoquer. Je voulais utiliser Prière, mais bon. Néo Bahamut, c'est bien. Faire apparaître également. Un ravage des terres, ça me fait un peu peur. Ouais. Ça pique, ça pique. Ouais, on a perdu connaissance. Alors, c'est le moment où on va déjà soigner. Ah, ça me fait un peu peur là. Attention à Rude. Je vais te tenir. Je vais essayer de nous ramener notre ami Cloyd à la vie. Ah, il me faut une petite queue de Félix. Allez, faut essayer de tenir. Oh, c'est quoi ça? Alors, j'ai une petite transcendance, ce serait peut-être pas mal d'utiliser sur Elena. Alors, extra soin maintenant sur Iris. Et c'est parti pour l'extra soin également sur Cloyd. Et on est reparti. Tu vas venir. Allez, un petit. Ouais, on va augmenter le niveau de transcendance. On va essayer de booster ça. Et parti. Ça pique. Attention à la tornade, c'est de l'esquiver. Elle me lâche pas, elle me lâche pas, elle me lâche pas. Ça y est. Ah, maintenant on va regarder un peu comment ça se passe pour notre ami Rude. Alors, il aime pas le vent. Ok, lui infliger plusieurs puissantes compétences d'attaque pendant qu'il est en garde ou interrompt une attaque synchronisée lui infligera l'état de fragilité. On va pas hésiter à balancer tout ce qui est lié au vent. Hein. Ça risque d'être pas mal par la suite. Allez, une petite transcendance. Tiapéry ascendant, ça me paraît pas mal. Allez, une petite prière, allons-y. Allez, dôme céleste, allons-y. On va être pas mal, on va être pas mal. Eh Tifa, enchaîne. Enchaîne ma Tifa. Ouais, 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 ouais. Et là, on va pouvoir faire pas mal d'enchaînements. J'ai cru voir une queue de phénix où il a ramené Elena à la vie. Ou c'est moi? Un gros doute là. Wow, les dégâts sont tombés, c'est pas mal. Et on les a vaincus. Ouais.
ne fait que commencer. Ah ouais? Oh, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, veuillez porter votre regard sur le centre de l'arène. Pour le grand final de cet événement, nous avons fait venir un invité surprise très spécial. Le voilà! Je vous demande de l'applaudir bien fort. Venez accueillir chaleureusement le nouveau président de la compagnie Shira, Rufus Shira. Wow! Ok, ça va être chaud. Rufus fait son entrée, c'est un duel. Alors, j'aimerais lancer une petite analyse. Wouah, par contre, il... Alors, une petite analyse s'impose. Alors, l'attaquer quand il recharge son arme ou utiliser des commandes ATB après ses attaques le fragilisera. Les commandes d'ATB le rendront attaquable plus longtemps. Le frapper avec certaines techniques lors d'un rechargement ou juste après une de ses attaques lui infligera. Ah, une suite, attendez, lui infligera instantanément l'état de choc. D'accord, donc faut essayer de lancer des compétences limites juste après ses attaques. On va essayer d'esquiver et de balancer tout ça. Déjà le cibler ça pourrait m'aider. Après il a l'air très très chaud à parer hein. Ça va être une galère. Allez, tu peux pas parer. Ou alors faut que je fasse des gardes au bon moment, j'ai pas le choix. Ouah, je suis mal. Ah non, c'est pas qu'il a son rechargement, il y a la compétence c'est rechargement. Je vais essayer de lancer Attention riposte, bon, on est mort. Ok, ça va être chaud, ça va être chaud. Mais j'ai compris, les compétences... Alors, recommencer le combat actuel, recommencer... Allez, c'est parti, on y retourne contre Rufus. On va essayer de dégommer le petit père, parce qu'il a l'air bien costaud avec ses attaques. Il a de la riposte, il a un peu de tout. Ah, c'est là qu'on utilise rechargement, il va falloir que j'utilise... Voilà, quand ils disent rechargement, c'est là qu'il faut que tu utilises des compétences. Allez, là on va essayer de lancer un petit peu plus, voir si ça passe. Ça va pas marcher. Attention à sa riposte. Je te présente mon arme à feu de choc, Camouille. Impressionnant. On galère un peu quand même. J'ai lancé une petite récup. Et je suis pas mort. On va partir de là. Oh. Oh, il est fragile là, c'est le moment. Oh, ça dure pas longtemps la fragilité, hein. Attention. Ouais, l'attaquer au cas, j'ai l'impression
Ça nous aide pas. On va quand même lancer les strass soin dessus. Et la fragilité dure un peu plus longtemps là. Attention. Ah, j'aime pas ces ripostes là. Allez, j'essaie de lancer un petit sort de feu. Ça passe pas. On va peut-être l'attaquer tout simplement quand même. Il me fait une petite recharge. Ah, c'est vraiment quand il va faire la recharge qu'il faut vraiment l'attaquer, mais c'est pas évident. Alors peut-être mettre des postures de garde, ça peut être pas mal. Bon là, la transcendance c'est la bienvenue, je dirais. Allez, c'est parti. Allez, on enchaîne. On va se mettre une petite récupération parce que mine de rien ça nous aide. Ça, pas facile. Allez, on va se remettre un petit soin. Carrément une potion, méga potion, giga potion. ou alors je peux mettre de l'éther peut-être pour m'aider pour la suite. On essaie de tenir un peu. Oh, ça va être chaud. Hein. Oh, attention. Ça pique ça. Allez, j'esquive, j'esquive. Allez, c'est le moment de se soigner avec des strass soins. En tout cas, il est vraiment pas évident, hein, Rufus. C'est de prendre nos temps pour bien observer comment il réagit. Aïe aïe. Ouah, ça s'applique. Quoi,
riposte, hein, y a rien à faire. Trop dur à caler les attaques, on a timing qui est trop. Oh, il est fragile. Allez, j'essaie d'enchaîner un peu là. Faut rien qu'il est. Ok, on se calme. On se calme. On esquive, on esquive, on esquive. Allez, on lâche rien, on va essayer de les descendre au maximum qu'on peut. Ah, je suis bloqué. Alors, il met la pression. Allez, on va se lancer un petit extra soin histoire de tenir sur la longueur. Aïe aïe aïe. Allez, transcendance et palpille là trop. Le petit refus se fait de la résistance. Déjà un, c'était galère, alors deux, je n'ose même pas imaginer. Il est temps que tu nous aides. Essaie un peu. Allez, vas-y à voix. Alors, Ténébro, il commence à piquer, j'ai l'impression. J'ai un problème, je suis bloqué là, attendez. Alors, on va lancer une analyse sur Ténébro. Si c'est possible. Alors, Ténébro, lui infliger une certaine quantité de dégâts, ou interrompre maître et chien, le fragilisera. On va essayer de le faire tomber, à mon avis, ce qui va être plus facile à faire tomber que Rufus. On va voir si je vois juste ou non. Alors, on va faire attention. Là 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 là. Apparemment, rentrer en fragilité va être beaucoup plus facile. Hein. Je vois plus rien. Et c'est pas ça. Ah là là, je suis immobilisé. Je sors de là. Ah là là, j'aimerais sortir de là, mais n'est-ce pas le moment de répit? Mal barré, tu m'étonnes. Attention à ça. You. Tu es mort. Ok. Je suis qu'un bon à rien. Ténébro, on va essayer de le cibler pour la deuxième phase parce qu'il est vraiment chaud, le petit père. Alors, recommencer le combat actuel, oui. Alors, est-ce qu'on reprend juste avant la phase ou faut reprendre tout à partir de Rufus? C'est la question que je me pose. Alors ça, on va le passer, on a déjà vu. Ouais, pas un moment de répit, hein, c'est vraiment chaud. Impressionnant. Je vais t'apprendre à me tenir tête, monsieur le soldat.
Ça va être le combat le plus dur à mon avis que j'ai connu sur FF7 hein. Reverse là. Parce que, au niveau des enchaînements, bien esquivé. Sur la pièce laser qui fait mal. Attention! On va peut-être se soigner pour le coup. Ou alors j'ai carrément utilisé des méga potions. Hein. Ça va nous aider. Rechargement est là, on est bon. T'as laissé ce que j'ai par ici. Ok, on va passer en fragilité ce moment. Allez, on lâche rien, on lâche rien. Belle esquive. Aïe aïe aïe. Faut vraiment attendre qu'il balance son attaque et... Allez, on enchaîne, 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 go, go, go. Ah là 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 là. Ah, je sais pas quand il recharge pas systématiquement. Essayez de faire attention à ça. Ah, c'était pas mal. Ah, ça j'ai pris. Ah, une petite transcendance qu'on peut balancer, on va essayer de le mettre maintenant.
On va vraiment qu'on tienne la prochaine phase parce que ça va être chaud. Ah dommage, j'aurais bien voulu lancer l'arme brave. Allez, on passe à la... Ah non, ça continue. On va essayer de se concentrer sur Ténébro qui va nous faire pas mal de dégâts à mon avis. Qui n'aime pas... Je crois que c'était la foule. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Tu as bien besoin d'être dressé toi aussi. Parfait. Il est temps pour que nous aides. Essaie un peu. Allez, vas-y, à voir. Ah là là, je me vise à chaque fois, ça va être chaud. Ok, fragile, c'est le moment de l'enchaîner. Alors là, on a l'invocation. On va essayer d'y aller. Ouh, un état de choc. Un état de choc, un état de choc. Allez, invocation, Odin. On va avoir besoin de toi pour finaliser ce combat qui est vraiment costaud. Ça rigole pas. Alors je ne vois plus rien. Du coup, je vais remettre un petit sort de récupération. Okay. Voilà, comme ça on est pas mal. Ah, faut sortir de là, faut sortir de là. Sortons de là. Alors, Rodin me gêne du coup pour le coup. Aïe aïe aïe, attention. Ouh, c'était pas mal l'attaque là. En vol du phénix, c'est pas bon ça. Wow. Allez, transcendance, on y va. Allez, on ne reste plus que Rufus. On va essayer de se soigner. Rodin va nous filer un petit coup de main là. Allons-y. Let's go. Oh là là, quelle fin magnifique les amis. Très très belle fin. C'est pas grave. D'abord... Ketsit, c'est ça? Dépêchons-nous. Incroyable! Alors là, je ne m'attendais pas à un tel dénouement! Comme vous le voyez, les deux adversaires ont abandonné le combat. La reine est déserte. Nous devons donc mettre fin prématurément à cet événement. Je me demande où sont passés les autres. Cherchons d'abord Ketsit. Ok, donc Ketsit qui a embarqué carrément la pierre clé, on ne sait pas où il est allé, et apparemment
il est allié avec les Turks. Et ben, on va essayer de le retrouver. Allons-y, les amis. En tout cas, très très bon combat avec Rufus, hein. Les autres cherchent à l'extérieur. Fouillons cette zone. Ah, d'accord. Donc, il est peut-être dans le coin, Kaycite. Ah, il est là. Il est là, le petit père Kaycite. Alors, où t'es planqué? Je suis sûr qu'il est planqué dans les pluches et tout. Kaycite, où te caches-tu? Et derrière? Non. Ah, je l'ai vu rentrer par là, c'est... Ah, il est là. Ah, Eris, s'est planté comme nous. bah on continue. Je crois qu'il est là-bas. J'ai l'impression qu'il va nous emmener dans chaque square. Une grande chance. Allez, il faut le rattraper. Hey Kaycite, viens par là, là. Pourquoi tu t'en vas? Et pourquoi tu fais ça, surtout? Alors là... Par où il est passé? Ah, je sais pas du tout par où il est parti. Ça me paraît un peu compliqué. C'est vrai que ce monsieur qui s'est fait pousser, ouais. On n'est pas sorti de cette zone-là. Et forcément quelque part, on va essayer de le trouver. Il y a un gros mog. Ah, je sais pas du tout où il est. Oh là là. On va repartir de où on était. Il y a ce monsieur qui s'est fait bousculer. Il doit être dans le coin à mon avis. Alors par où il serait parti à votre avis? Il serait allé dans les autres squares. Non, il est bien dans la zone, hein, c'est ce que je vérifie. Bon, il est bien planqué par là, mais où il est exactement, je ne sais pas. Ah, il y a Yuffie, est-ce qu'elle aurait vu Yuffie? Ah, Cloud, je crois bien que Kaycite s'est fait la malle. Ouais, donc il est dans le coin, il est vraiment dans le coin. Ah, il est là. Où est-ce qu'il est? Elle est partie à gauche. Parti sur la gauche, Kaycite, mais je vois pas où. Ouais, c'est toujours dans la zone que c'est concerné. Ah, puis il y a tellement de décors, il y a tellement de d'éléments que c'est un peu dur de le trouver.
On va aller voir si c'est monté là-haut éventuellement. Cutscene n'est pas ici. Derrière le panneau. Ah, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Il est là. Ah bon, on aimerait récupérer la pierre clé, mon gars. Tu l'as volée. Allez, on continue à le poursuivre. Casey est en fuite. Allez, reviens par là, mon pote. Je vais en profiter juste pour une chose, les amis. Petit coffre. Petit coffre, peut-être nouvelle arme. Une croix de cristal. Je crois qu'on voit ça tout à l'heure. Elle nous fait tourner en bourrique quand même. Hein. Oh non. Voilà. Une chance. À vous surtout. Je le savais depuis le début que ça finirait sûrement comme ça. Je crois que je me suis peut-être un peu trop attachée. Quel sale chat! J'en reviens toujours pas! Et si ça se trouve, il a obtenu une promotion. Vous vous rendez compte qu'il s'est complètement moqué de nous depuis le début? Quand je repense à comment il nous a roulé, ça me fait encore plus en rogne! Aerys, quelque chose ne va pas. Non, c'est juste que je pensais qu'on pouvait lui faire confiance. Allez, oublions-le. On fait quoi maintenant? À tous les coups, la Shinra aussi est à la recherche de la Materia Noire. Il faut vite qu'on les rattrape. Non mais t'en as de bonne, toi. Comment tu veux faire? Le seul qui savait où se trouve le temple, c'était Ketsit. Pas vrai? Je ne sais rien pour le temple. Mais on peut retrouver l'hélicoptère des Turcs. Vraiment? Je connais la fréquence qu'ils utilisent. Si on écoute leur communication, on saura où ils vont. S'il faut une radio, il y en a une dans le Tiny Bronco. Bah, et ben voilà. Ok, je pars devant pour tout préparer. Allez. Tout n'est pas encore perdu. Partons à la recherche du temple. La Materia Noire, c'est nous qui l'aurons. Ok, ouais, ouais, c'était un peu chaud là, ce qui vient de se passer. Du coup, Casey ne fait plus partie de l'équipe, alors ça, je m'y attendais pas du tout.
que Cassie ne soit plus avec nous. Du coup, le Gold Saucer est de nouveau accessible dans son intégralité, je dirais. Ok, je regarde un peu ce qu'il y a également là. Qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté ? Avec le Queen's Blood, il y a des quêtes qu'on n'a pas encore fait. Le Beat Battleground, il y a encore aussi des petits combats à effectuer, des petits défis qu'il faudra qu'on fasse. Qu'est-ce qu'on a là qu'on n'aurait pas fait ? Colisée des costauds. Ah oui, mais ça, c'est pas dans le Gold Saucer. Ça va être en bas. Ok, encore pas mal de choses à voir sur ce FF7. Alors, est-ce qu'on peut interagir avec les différents personnages là ? J'ai pas l'impression. Ok. Alors si on devra faire la continuité, je vais y arriver, de l'histoire, il faudra qu'on retourne là-bas, à la poursuite des Turks. Donc il y a encore un bout de chemin à faire, et on verra sur quoi on s'oriente, parce qu'il y a aussi le Queen's Blood que j'aimerais continuer. On a Wiz 3.0, version 2.0, qu'il faudra affronter, et puis peut-être qu'après on repartira sur l'histoire principale. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, Cassie ne fait vraiment plus partie de l'équipe. Oh, c'est chaud. Après, est-ce qu'il va revenir plus tard ? Je ne sais pas. Il y a aussi Vincent qui a rejoint l'équipe, mais on ne peut pas l'utiliser. Est-ce que plus tard, il pourra faire vraiment partie de l'équipe pour qu'on puisse combattre avec lui ? En tout cas, je l'espère, ce serait vraiment formidable. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne Les Petits Phoenix, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Il y a des épisodes quotidiens, notamment en ce moment, sur FF7 Rebirth, où je vais faire l'intégrale du jeu à 100%. Allez, je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos. Salut tout le monde !